Je me nomme Georges Sanyanyang. Je suis enseignant en service à la direction communale de l'éducation de Dixin. Et en même temps, je suis activiste, président de l'Union guinéenne des aveugles et malvoyants. Dans certains pays, le 4 octobre est célébré comme la journée nationale, pas internationale. C'est propre à un pays comme la France qui a choisi le 4. Et d'autres pays aussi peuvent choisir leur date de célébration d'une journée nationale de personnes en situation de handicap visuel. Mais ces journées, c'est des journées de communication et puis de bilan, de faire le bilan et de lancer des appels à des personnalités, à l'État et puis aux personnes de bonne volonté. En Guinée, il n'y a pas une date propice. Ici, en Guinée, souvent, nous célébrons les journées le 4 janvier, la journée du braille. Et puis, nous avons le 10 octobre, ça veut dire le deuxième jeudi de chaque année, est célébrée la journée mondiale de la vue. La vision, la célèbre. Et nous avons le 15 octobre de chaque année, la journée internationale de la canne blanche. La canne blanche, c'est l'instrument de déambulation des personnes déficientes visuelles. C'est le symbole de la cécité, la canne blanche. Mais le 4, nous, c'est grâce à vous, les médias, que nous essayons de communiquer à travers les médias le 4 octobre pour au moins faire un peu le bilan de ce que nous sommes et de ce que nous sommes en train de faire. Vous savez que c'est une occasion pour nous, à travers vos micros, de faire un peu le bilan de l'année écoulée, quoi. Et cette année, quand même, le monde des déficients visuels a connu une joie, quoi. Car nos candidats, cette année, nous avons présenté des candidats aux différents examens nationaux. Et au BEPC, nous avons présenté 6 candidats et parmi les 6, il y a eu 5 admis. Au baccalauréat unique session 2024, là, et nous avons présenté 2 candidats, option sciences sociales, il y a eu 100% d'admis. À l'examen d'entrée en 7e, le Centre Sogué des aveugles et malvoyants de Conakry a présenté un candidat et il est admis. Ça veut dire que c'est un chapeau à tirer à l'État à travers le ministère de la Promotion féminine et des personnes vulnérables qui a l'école des aveugles à son sein. Et féliciter aussi les acteurs que nous sommes, les acteurs de l'éducation pour les actions menées cette année dans la réussite de ces candidats. Chaque année vient avec ses projets. En tout cas, nous allons célébrer avec le monde. Quand même, nous cherchons à collaborer entièrement avec le gouvernement pour que nos droits soient respectés et que les choses rentrent dans les normes, quoi. Demain, c'est une journée de communication. Nous sommes prêts à recevoir tous les médias qui aimeraient venir nous voir. Malheureusement que l'école Sogué n'ouvrira que ses portes à partir du lundi. Les cours vont commencer réellement. Sinon, c'était une occasion de venir, à l'occasion de la journée des personnes déficientes visuelles, de venir voir ce que les enfants déficients visuels font exactement au sein de leur école. Ce que j'ai à lancer envers mes frères et sœurs porteurs d'handicap visuel comme moi, c'est de mettre dans leur tête que le handicap visuel n'est pas une fatalité. Le handicap n'est pas une fatalité, ni une malédiction, que c'est un acte de courage. Il faudrait qu'on arrive à combattre notre handicap pour pouvoir vivre au sein de la société. Et aux personnes et à la société, c'est de changer le regard négatifs qu'ils ont envers ces personnes porteurs de handicap. Il ne faut pas penser que toute personne porteur de handicap est un mendiant. La mendicité est une action interdite par la loi, mais c'est la pauvreté qui envoie les gens à tendre la main. Et aux parents, de ne pas garder leurs handicapés, leurs personnes déficientes visuelles à la maison, c'est de les amener, les inscrire à l'école Sogué pour que et aussi soit des personnes de demain. À l'État guinéen, c'est de respecter et faire respecter le droit des personnes handicapées en République de Guinée. Il faudrait que la personne handicapée se sente dans son pays, qu'il se sente responsable. Bientôt, nous allons partir en politique. Pourquoi pas?
Dans les autres pays, ça se fait. Hein, nous nous inscrivons en politique, nous partons aussi combattre pour avoir le fauteuil présidentiel, pourquoi pas? Moi, en tout cas, je suis ambitieux et je sais que ça va aller tôt ou tard. Bien sûr. Voilà. Bonne Merci. chance en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ouais.